يكون الجزائريون المقيمون بفرنسا ما بين الثاني من شهر سبتمبر المقبل والسابع من نفس الشهر في الموعد للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، وستفتح المكاتب والمراكز الانتخابية من الساعة 8 صباحا إلى غاية 7 مساء، باستثناء اليوم الأخير الذي ستغلق فيه المراكز الانتخابية على الساعة 8 مساء، وفي إطار سلسلة الاجتماعات التي ينظمها مندوبو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بفرنسا. وقامت القنصلية الجزائرية باستضافة رؤساء جمعيات وجزائريين مغتربين، ونشط هذا اللقاء ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. À chaque événement, les élections, par exemple présidentielles, législatives et tout ça, on fait des révisions exceptionnelles. Pour cette année seulement, on a fait deux révisions, celle de mois de décembre et celle de mois de entre juin et juillet. À côté du mois de juillet, on a pu inscrire jusqu'à 1700 personnes sont venues s'inscrire. On a mis des registres au niveau de plus de salles. Des visas, clics et tout ça. Et à l'accueil, on avait à la disposition de notre comité, des membres de notre comité, presque 6 registres. Et il y en a qui sont enregistrés, il y en a qui n'ont pas voulu s'enregistrer. Mais on a mis le paquet pour l'enregistrement, on a pu gagner quand même presque 1700 nouveaux inscrits. دو أعربت الجالية الجزائرية بفرنسا عن رغبتها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني، وذلك في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها الجزائر. Voilà, à venir entre le 2 et le 7 septembre. J'invite d'ailleurs la communauté algérienne à venir en masse, venir voter durant ces dates. C'est un moment particulier et nous savourons particulièrement ce moment particulier. Au même titre que nos compatriotes qui habitent en Algérie ou qui habitent partout dans le monde. Le scrutin est clair, on a un maximum de gens, un maximum de participants à l'intérêt. Inch'Allah, premier sentiment, c'est un sentiment de fierté de pouvoir participer à l'avenir de notre pays. Également, je souhaite qu'il y ait un maximum de binationaux comme moi qui fassent le déplacement jusqu'à Bobigny du 2 au 7 septembre pour voter.